Buenos días. Noël approchant à grands pas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale fête de fin d'année. Découvrons ensemble quelles sont les traditions espagnoles. Afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo, abonnez-vous à notre canal YouTube. Comme nous, les Espagnols ont coutume de placer dans le salon un sapin de Noël. Ils le décorent avec las luces, les lumières, las guirnaldas, les guirlandes, las bolas, les boules. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Le 24 décembre, au soir, on se réunit en famille. On appelle cela la Noche Buena. C'est le moment où l'on peut entendre los villancicos, qui sont des chants traditionnels espagnols. Le 25 décembre, c'est Noël, soit la Navidad. Et on déjeune tous ensemble, en famille ou avec des amis. Noël, c'est aussi l'occasion de manger los polvorones, los mantecados, los turrones. Normalement, le 25 décembre, les petits Espagnols ne reçoivent pas de cadeaux. La tradition veut que ça soit le 6 janvier. Et quelque part, c'est un peu plus logique, puisque le 6 janvier, c'est la venue des rois mages. Ils apportent un cadeau au Christ. Mais bon, certains Espagnols dérogent à la tradition et font quand même des cadeaux le 25 décembre. Los Belenes, les crèches, sont très prises au sérieux en Espagne. Pour preuve, même le magasin Le Roi Merlin a lancé un tutoriel spécial construction crèche. Los Belenes, les plus monumentales, sont construites dans les mairies ou bien dans des salles d'exposition. Los Belenes ne sont pas uniquement une représentation de la naissance de Jésus-Christ. Certains mettent en scène l'épopée de Marie et Joseph. D'autres poussent même le réalisme en reproduisant des scènes bibliques. Los Belenes sont des représentations minutieuses du quotidien, à l'époque du Christ. Enfin bon, approximativement. J'adore leur souci du détail, et puis leur humour, leur anachronisme, leur nonsense, comme diraient les Anglais. Historiquement, oui, il y a quelques lacunes. Le 31 décembre, c'est la Noche Vieja. On se réunit soit avec des amis, soit avec la famille. On fait la fête tous ensemble, on peut boire la sidra ou el champán. Et nous avons une tradition pour les 12 coups de minuit, c'est-à-dire à chaque coup, nous devons manger un grain de raisin. À Madrid, on prend la chuvas à la Puerta del Sol. J'adore ce moment, je trouve que c'est super convivial, on se retrouve avec plein d'inconnus, on se souhaite la bonne année, on fait tous la fête ensemble, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en Espagne. La tradition veut que la nuit de la Noche Vieja, nous portions des sous-vêtements rouges. C'est censé porter bonheur. N'oubliez pas! La nuit du 5 janvier est un moment très attendu par les petits Espagnols. C'est la cabalgata. La cabalgata, c'est un défilé des rois mages accompagné de chars, d'activités, de jeux. C'est un événement que l'on retrouve dans des grandes villes comme dans les plus petits villages. Un peu humilde, mi niño lindo, tu estás
le 6 janvier, c'est le jour où l'on reçoit les cadeaux. Si vous avez des cadeaux à faire à vos proches ou amis espagnols, pensez-y, c'est le 6 janvier. Important. On mange aussi el roscón de los reyes, la galette des rois. Petite anecdote, si vous tombez sur la figurine, vous êtes le roi ou bien la reine. Mais si vous tombez sur la fève, la tradition veut que vous payiez el roscón de los reyes. Vous trouverez des sucreries un peu étranges dans les hypermarchés qui ressemblent à des sortes de charbon. D'ailleurs, on les appelle los carbones. On disait que si les enfants s'étaient mal comportés toute l'année, ils auraient du charbon au lieu d'avoir des cadeaux. Désormais, le charbon est une sucrerie et c'est quelque chose d'anecdotique. Vous avez prévu de passer la Noche Vieja en Espagne? Eh bien, bon courage! Si vous la passez avec des Espagnols, vous avez de forts risques à ce que la fête commence à 10h du matin. Alors oui, c'était un peu spécial au début pour moi, mais dès 10h du matin, mes amis me disaient « Allez, viens, on va au bar !» À 10h du matin? Alors on commence avec les tapas, on boit et on arrive le soir, ouf! No comment. Bon, après, on termine tous à faire la fête ensemble, soit sur la place du village, soit dans des boîtes de nuit. Puis ce qui est génial, ce que j'adore, c'est aussi tous ces âges mélangés, tous ces âges confondus. Vous voyez la grand-mère qui fait la fête avec le petit-fils, tout petit encore. Enfin, c'est merveilleux. Personne n'est exclu, tout le monde participe, même vous. En tant qu'expatrié, vous serez toujours le bienvenu à une fête espagnole et même vous serez peut-être invité à passer Noël avec des Espagnols. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et de mettre un like. Je vous souhaite un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Hasta luego, que disfrutáis. Feliz Navidad, Feliz Navidad.